et on va le test, sachant que Enra fait des dégâts de l'ignore def en consommant la moitié de ses HP. Et en gros, si on heal ou si nos PV voilà, sont au max, eh bien le CD il reset. Attendez, on va tester avec le stuff de Belial et on va voir les dégâts. Donc là, Enra a le stuff de Belial. Bon, il a pas 100% de crit, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave s'il a pas 100% de crit, dans le sens où, vu qu'il va reset son CD s'il est full life, ça pose pas problème. Est-ce qu'on one-shot le pan d'avant? Oh la technologie. Ouais, c'est un peu illégal quand même. 53k ignore death pour un 3 étoiles, c'est pas dégueu quand même. Et 1, et 2, et 3, 0. Et boum. 3 tours, 3 morts. Let's go. Ah, c'est fort quand même, hein. Ouah, c'est tellement broken, frérot. Je pense qu'avec un Théon, mama. Genre Illyana Théon. Tout le monde se donne les tours et tout, et c'est Enra qui est... Oh là là, pff. Mais là, en vampire, oui, j'avoue. Bon, par contre, très très peu d'HP. On peut imaginer une team Clara, Megan Clara. Ça peut être pas dégueu, hein. Clara va strip. Pas de stun, mais on s'en fout. Buff. Après, Wissa va mettre son shield. C'est pas très grave. C'est parfait parce que c'est là où on va voir les dégâts. Donc, je consomme mes HP. Boum. 30k dégâts. Je suis full life. Bah, ok. On a un break death. Boum. 15k dégâts, hein, quand même. Là, on a le buff attack. Normalement, on va voir le strip. Parfait. Bam. Donc là, on consomme les HP. On se heal. Donc, 38k dégâts. Est-ce qu'on a le... Ah bah oui, du coup, on l'a. Donc, ça veut dire qu'on s'est heal. Donc 8k dégâts, on inflige 33 et on revient full life. C'est pas dégueu en vrai. Là il est en violent. Ah en plus il a un lead TC. Ah ouais mais c'est dans l'arène. Bon après j'ai 90 TC quand même. Ok donc là on a lead attack, basse tête, Enra. Vas-y go. Ok donc buff attack. Là on va mettre l'invincibilité sur Enra. Comme ça quand il va consommer ses HP, vu qu'il sera invincible, bah il va rester full life. Et le tour d'après, il aura encore son skill ignore def. On va voir combien il met. 25k ignore death. Sachant qu'il y a le shield de Woussa. Sachant qu'il y a du buff attack. Sachant qu'il est pas en rage, il est en violent. C'est pas si mal en vrai. Pas si mal en vrai. On va faire ça. On va pouvoir tuer. Bam. Donc 33k ignore death. C'est pas dégueu du tout, hein. Je vais pas faire le skill 3, je vais faire le skill 2. Non, pour perturber, ça inflige des dégâts augmentant de 15% par effet néfaste sur l'ennemi. Ah là, je suis silence, il faudrait que je proc. Ok, donc là, on va remettre l'invincibilité sur Enra. On peut mettre le skill 3 avec l'ignore def, en vrai, on s'en fout, vu qu'on va reset le prochain tour. Donc là, il met quand même 17k, hein. Là, on va mettre le buff attack. Là, on va remettre le... Donc... Another one. On proc violent. Ah, on peut pas utiliser le skill 3 si on proc... Attends, quoi? Attends, ça par contre, no joke, c'est un bug ou pas? Pourquoi je peux pas utiliser le skill 3 sur le proc violent? Consomme la moitié de tes PV actuels pour infliger des dégâts. Si quand vient ton tour, tes PV sont au max, le temps de pose de flèche en main se réinitialise. Ah, c'est quand vient ton tour. D'accord, donc tu peux pas faire sur un violent. Après, je viens quand même de lui mettre 33k HP, plus. Donc on est sur les 40k HP. Pour un 3 étoiles, pas dégueu en vrai. Hein. Parce que là, si je fais ça, après c'est mieux que je me redonne mon tour. Pour continuer à proc le ligneur def. Oh, ouah, c'est fort. Attends, parce que attends, là je reproc, là j'ai quand même le buff attack. Hop, là je crit. 28. Oh, what the fuck. Non mais attendez, c'est incroyable. Basse tête contre Laika, c'est trop fort, donc j'ai pas très peur. Voilà, hop, et 2-1, donc là on va mettre 25, 22k, ok. Hop, le panda est mort. Ok. Ensuite, on se redonne le tour. On va focus Woussa. On redonne l'invincibilité à Enra. Ok, ça focus Enra, mais c'est pas très grave. De toute façon, il est sous invincibilité. Ouais, voilà. C'est de ça dont j'avais peur avec Laika. C'est le fait qu'il soit pas full life. C'est ça le seul problème, en fait. Après, il met quand même 9 dégâts. 9% de... Enfin, 9000 de dégâts. Là, par contre, j'ai plus mon... Ouais, mais j'ai mon proc.
Ah, attends. Ah oui, mais là, de toute façon, je vais tuer Roussal. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, ça consomme la moitié de mes HP. Donc, je suis pas full life, mais le CD est quand même assez court. Donc, finalement, c'est pas si mal. Hop, on peut pas faire plus de 6K. Oh, il proc violent, c'est cool. En plus, on a perturbé la récupération de ses PV, donc il peut pas se heal. Donc, enfin, c'est juste fumé. C'est juste fumé de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le mob est validé, bien sûr. C'est beau quand même. No joke, c'est beau.